Salut les amis, c'est Nico, bienvenue dans Tone Factory. On se retrouve aujourd'hui à Toulouse encore une fois et on a la chance d'essayer un couple magique, une Gibson ES-175 de 1951 et un Super Reverb Fender de 1965. C'est parti. Commencer par cette magnifique Gibson ES-175, un modèle de 1951 complètement d'origine qu'on a la chance d'essayer aujourd'hui dans Tone Factory. C'est vraiment rare de trouver des instruments de cette époque déjà entièrement d'origine, même si je suis pas forcément très attaché à cette notion du full origine. Là c'est du full origine et en plus ça tient le coup, c'est-à-dire que là ça fait une petite demi-heure que je joue sur la guitare, elle se désaccorde pas, elle bouge pas, on peut taper dedans, il n'y a pas de souci. C'est vraiment, on sent la fiabilité, la solidité de l'instrument, c'était extrêmement bien construit. Et puis il y a une patine qui est quand même à tomber par terre, quoi. C'est magnifique, il y a un vernis qui est très 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 fin, qui est craquelé naturellement, et ça donne envie de la mettre dans le salon et des fois de même pas jouer dessus, juste la regarder. C'est presque une œuvre d'art, un meuble qu'on mettrait voilà, au milieu du salon et on passerait presque plus de temps à le regarder qu'à jouer, mais heureusement, à jouer, c'est hyper agréable. Alors comme vous l'avez pu le remarquer, cette guitare est équipée d'un seul micro, un seul P90, parce que oui, on était en 1951, et en 1951 on avait que les P90, au catalogue Gibson, le PAF, le double bobinage humbucker est arrivé en 1957. Donc jusque-là, les Gibson étaient équipées la plupart du temps, quand elles avaient un micro, d'un P90. Là, on en a un en position manche, et encore un tout petit peu décalé vers le centre de la guitare, mais en tout cas, voilà, plus proche du manche que du chevalet. En tout cas, il a un super équilibre, et j'adore sa façon de sonner, parce qu'il est placé pas trop près du chevalet, pas trop près du manche. On arrive justement à choper des aigus aussi, on n'a pas un son grave et forcément étouffé, et on arrive à faire quasiment tout ce qu'on veut avec un micro, et justement, on va voir ça ensemble tout de suite. Thank you.
Donc une polyvalence rare, comme je vous disais, avec un seul micro, la tonalité et le volume, on arrive à faire plein de choses, même si on garde le même grain, parce qu'on est directement branché à l'ampli avec le jack, on n'a pas d'effet, pas de distorsion. L'ampli sature un peu tout seul, c'est d'ailleurs délicieux. Il a vraiment juste le crunch qu'il faut. Mais en tout cas, voilà, la guitare qui fait le job en entier avec un seul micro, une simplicité déconcertante, un volume, une tona. Je me suis vraiment régalé à justement baisser la tonalité, aller chercher des fréquences avec les Larsen de la caisse, etc. C'est très inspirant en fait, on change un peu son jeu quand on a des instruments comme ça dans les mains. Pour quelqu'un comme moi qui joue pas forcément du jazz ou du swing, parce que c'était les musiques de l'époque, cette guitare en tout cas a été faite pour les guitaristes de l'époque qui jouaient ça, mais le blues et voilà, tout ce qui tourne autour du blues fonctionne extrêmement bien sur ce genre d'instrument. Il y a un truc que j'adore faire, c'est justement avec les guitares demi-caisse, et spécialement avec celle-là parce qu'elle adore ça, c'est jouer le pic vers le chevalet comme ça. On obtient presque un son de Telecaster, en tout cas c'est vraiment sympa, on arrive à faire des effets, et encore une fois, un seul micro et plein de sons en déplaçant le médiator sur la guitare, c'est mortel à jouer. Alors comme vous l'aurez sûrement remarqué, on est accompagné aujourd'hui d'un gros bébé juste à côté de moi, le Super Reverb de 1965, Fender Super Reverb, un ampli mythique. Et là c'est les super années, les Blackface, en tout cas c'est parmi les années que je préfère, le milieu des années 60, on a des amplis qui sont hyper puissants, qui ont beaucoup de puissance, mais qui est très maîtrisée. C'est pas une puissance qui est agresse, c'est une puissance qui est bien développée, qui diffuse bien dans la pièce. On a 4 fois 10 pouces, donc 4 haut-parleurs de 10 pouces sur le Super Reverb. Dans cet ampli, on n'a plus les haut-parleurs d'origine, on a des haut-parleurs Legend de Eminence. J'adore ce haut-parleur, c'est d'ailleurs le haut-parleur que j'ai dans mon ampli principal. Généralement, quand on a des amplis avec les haut-parleurs modifiés, c'est des amplis qui ont joué, qui ont eu une belle vie. Donc ça c'est le cas de celui-là je pense. Il a vraiment une sonorité particulière, un crunch magnifique quand on commence à le pousser, un clair, vous allez le voir plus tard dans la vidéo, qui a tombé par terre avec la reverb. On va déjà l'essayer sur le premier canal, ici sur le canal normal, en crunch, avec notre S175 de 1951. C'est parti. Thank you.
Voilà, donc pour revenir un petit peu sur ces deux canaux différents, sur ce super reverb de 65, on a le canal normal que j'ai joué en premier, alors qui sature un petit peu plus vite, qui est un tout petit peu différent du canal vibrato, le canal 2. C'est généralement celui qu'on utilise si vous avez un petit peu des effets à la maison, etc. Moi j'ai préféré l'utiliser comme ça un petit peu fort, en crunch, parce qu'il sature plus vite, il a une saturation un peu plus méchante. Donc ça m'a fait penser à des sons boogie, à des trucs un peu énervés. Ce genre de guitare d'ailleurs était beaucoup utilisé pour ça, avant l'arrivée des solid body. Donc voilà, ça fait du bien à jouer, c'est des sons qui sont très organiques et très naturels. J'ai pris l'option bright, j'ai mis l'option bright sur ce canal normal pour avoir un petit peu plus de niac, un petit peu plus de médiator. Ça fait ressortir un peu les aigus, forcément, mais ça fait aussi ressortir la dynamique de l'ampli. Et comme l'ampli saturé, j'ai préféré prendre cette option, voilà, pour avoir un petit peu de précision. Donc avec très peu de boutons ici, on arrive à faire vraiment des trucs extraordinaires. Et puis en deuxième, j'ai joué le canal vibrato, donc avec la reverb. On a un bouton de médium en plus dans les réglages qui est très cool, qui permet encore une fois de faire une petite bosse. Moi j'aime beaucoup ça, voilà, pour faire ressortir un peu plus le pic de médium, notamment encore une fois le médiator et la précision de la guitare. Je l'ai joué en son clean avec une reverb qu'on verra par la suite qui peut aller très loin. Mais là je l'ai mis pas trop fort, vraiment un son soft et c'est vraiment un régal, c'est du beurre, c'est... Voilà, on s'arrête pas de jouer, c'est comme une bonne friandise, on en reprend encore dans le paquet, c'est vraiment mortel. Aujourd'hui malheureusement, on n'a pas pu essayer le fameux vibrato, le tremolo, faute de foot switch. Le foot switch est tombé en panne au début de l'essai, donc on n'a pas pu l'essayer malheureusement dans cette essai Tone Factory. Mais en tout cas voilà, c'est pas grave, l'ampli est tellement magnifique comme ça déjà qu'il y a beaucoup à dire. Donc on va se quitter avec cette belle reverb et justement on va la pousser un petit peu pour voir ce que ça donne. Les amis, c'est tout pour aujourd'hui. J'étais très content de vous faire partager ce beau moment dans Tone Factory ici à Toulouse avec cette belle ES175 de 1951 et ce super reverb de 1965. Merci beaucoup à Merlin qui est en fait un follower de la chaîne Tone Factory. Et si vous voulez, comme lui, vous abonner à la chaîne, bah, n'hésitez pas. Tous les détails sont en dessous de cette vidéo. Quant à moi, je vous dis à la prochaine. Thank you.
Mm-hmm.